Hein, va scène. Écoute. Tu sais quoi? En fait, là, c'est la première fois où j'ai un petit stress. Quand le longer est parti, t'as tourné la tête à gauche. Pendant que tu tournes la tête à gauche, il s'est mis à vibrer et tu m'as dit vas-y. Et je suis allé, je me suis dit merde, il est flippé, il est venu vers toi. Je me fais des films, je me fais des films, mais. Ouais, t'as bien réagi. Yann est exceptionnel. C'est, c'est un dresseur de requins. Presque. De la balle. À un moment donné, tu t'en es pas rendu compte que t'étais monté tout seul et t'avais ce gros regard qui est descendu sur toi. T'as pas vu à un moment donné, il a tourné la tête, il a fait ouais, ça c'était là le plus serré. Mais là, t'es pas allé dessus, t'es juste monté et t'es descendu. Je me suis bougé ma gaffe, je crois que j'étais en l'air. Il y avait confrontation. Non, mais je montais, je me rendais pas compte que je montais légèrement et le requin est vraiment venu. Et donc, il y a vraiment un instant où je passe en mode animal intuitif. Ça y est, c'est un vrai de vrai là. Ce qu'on va voir là, à travers les vidéos qui ont été faites, c'est les attitudes à la fois du requin et du plongeur qu'on va essayer de décrire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde la première. Ah, c'est par le haut. Ouais, c'est quand un requin vient du haut vers le bas. Alors, est-ce que tu te souviens ce que ça signifie ça? Bah là, le requin, il a confiance. Parce qu'il sait qu'il te voit, il te monte son ventre, ouais. Il a confiance, donc il veut t'impressionner, il est dominant, quoi. C'est clairement ouais. Une situation de dominant. La vitesse, ouais. Là, tu sais, on parle de vitesse, la vitesse, elle détermine les intentions de l'animal. Ouais. Quand un animal va vite, c'est automatiquement pour essayer de savoir très rapidement, finalement, ce à quoi il a affaire. Là, tu vois, on voit que j'ai ma petite bouteille en plastique. Ma petite bouteille, elle sert à des raisons pédagogiques. Elle démontre que le requin océanique, il a vraiment une audition qui est très perfectionné dans son milieu parce qu'il vit en pleine mer. Le vrai catalyseur en fait de l'approche, c'est vraiment la bouteille. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que c'est un animal qui est énormément guidé par les bruits. Et en fonction de la fréquence sonore qu'il va entendre, si elle représente quelque chose qu'il est habitué à écouter, il va s'en approcher. Et là, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que le craquement de la bouteille représente en fait le craquement osseux d'un poisson en train de se faire manger. Donc une proie potentiellement facile, l'opportunisme. Le requin océanique, c'est un opportuniste.